saluer le non-secteur démocratique et populaire, la presse présente matin. Nous saluons toute délégation qui sortit dans l'Ouest, dans le plateau central, dans la Tibonite, dans le Grand Nord, qui vient dans la réunion ce matin. Parce que jeudi, son jour côté secteur démocratique et populaire, il fait deux réunions stratégiques. Réunion stratégique qui fait jeudi avec délégués qui sont dans l'Ouest, dans le plateau central, dans la Tibonite, dans le Nord, dans le Nord-Est, dans le Nord-Ouest. Et actuellement, bon réunion qui a fait Grand Guave et c'est sénateur Nenel Kassi qui a dirigé la réunion. Réunion ça a fait avec délégués qui sont dans la région des Parcs, c'est-à-dire Gressier, Grand Guave, Tigouave, Léogane, Lagouane, on qui sont dans le Sud-Est, on qui sont dans le Sud, on qui sont dans Grand Anse. Et dans la réunion, ça, on consulte le département sur la position politique, sur le comportement politique SDP, secteur démocratique et populaire, doit gagner un jour d'IA dans le contexte politique. Nous apprenons jusqu'à présent la persécution politique qui va poursuivre dans le plateau central, dans le Mirbalet. Qui est dans le Mirbalet? Gagné Jean-Yves qui a subi persécution politique. Gen Exil Evans qui a subi persécution politique. Gen Bec Carré, ainsi connu, qui a subi persécution politique. Je dis à secteur démocratique et populaire capable d'annoncer nation que n'a participé, nous présents, n'a participé dans tout effort qu'a fait pour une solution dans la crise politique que le pays d'Haïti a traversé aujourd'hui. Dans le commencement de la semaine, ça, nous avons participé à une grosse réunion avec le groupe Société Civile, par exemple, le groupe Yoré les marchés pour la vie. Gagné en pile force souterrain sur toute société civile. Réunion ça a gagné la donne. Messieurs, dames, commission qui a cherché une solution à la crise là. Dans la réunion ça a gagné les signataires du protocole d'entente nationale. Réunion ça a gagné des groupes politiques qui passent un protocole là, tant pour le secteur démocratique et populaire, tant pour OPL, tant pour Uniforce et on prend l'autre groupe politique. Dans la réunion ça, le secteur démocratique et populaire a renouvelé volonté pour travailler avec tout le monde pour chercher une solution consensuelle. Nous ne sommes pas capables de soutenir une crise politique là avec 20 propositions, avec 15 propositions. C'est ça que fait le secteur démocratique là. Nous pas signé un protocole d'entente là. Et nous disons, amis qui sont dans la commission qui cherchent une solution haïtienne là, en nous discuter ensemble pour chercher une seule solution. Et si une solution qui sortit, son seul groupe qui sortit, le secteur démocratique et populaire pas signé. Nous avons besoin d'un dépassement de soi pour défendre les intérêts de la République. C'est l'intérêt collectif qu'il faut défendre aujourd'hui. Ce n'est pas le moment où chaque groupe a fait une portée de proposition. Pas eux. Nous besoin d'une seule proposition de sortie de crise. Et c'est ça qui fait. La réunion qui fait, qui se porte au grand aujourd'hui, qui se réunion qui a fait, qui presque fini, dans Gressier, nous avons plus ou moins un rapport, nous dit que le secteur démocratique là ouvert pour parler avec tout acteur qui sont échiquier politique là, pour nous capables de chercher une solution consensuelle. Pendant la parole avec tout le monde, nous ne pouvons pas quitter la revendication du peuple à tomber. Conférence nationale là, pour le fait. Procès Petro-Caribé, pour le fait. Procès massacre La Saline, massacre Belé, massacre Cité Soleil, massacre Delma 32. Faut que procès ça au fait. Et nous dit, faut que prisonniers politiques soient libérés. Faut que prisonniers politiques soient libérés. Kilik Babas, Anel Belize, pas de droit dans la prison toujours. Jean-Denis qui est en prison, pas de droit dans la prison toujours. Nous avons des gens qui sont en prison au Caï. Nous avons des gens qui sont en prison Jacques Mel, Mirbalè, dans la Tibonite, dans le Nord. Port-au-Prince chargé prisonnier politique. Nous ne sommes pas capables de quitter prisonniers politiques dans la prison. Secteur démocratique et populaire clair. Nous ne pouvons pas reconnaître aucun gouvernement. Tout autant pas bon consensus largement large.
tout autant par un accord politique. Nous avons une situation exceptionnelle. La Constitution n'a pas dit comment pour nous sortir de la crise. Là. C'est dans la discussion, c'est dans la concertation pour nous joindre une solution à la crise. Là. C'est tout le monde qui peut participer dans la concertation. Là. Nous disons, se position nous. Il faut qu'on ait un accord politique pour nous monter un gouvernement de consensus. Il faut qu'on ait un accord politique pour nous monter un conseil électoral honnête, crédible, démocratique. Il faut qu'on ait un accord politique pour nous créer un environnement pour tout procès, massacre la Saline, procès de Caraïbes, pour procès ça y est fait. Il faut qu'il y ait sécurité dans le pays. Et nous dire, nous pas d'accord avec question exécutive en seule tête communauté internationale là veut imposer dans le pays. Le secteur démocratique là attaché à la loi pays d'Haïti qui dit faut qu'on pouvoir exécutif bicéphale, faut qu'on président, faut qu'on premier ministre. Voilà pourquoi nous avons continué à discuter, nous avons continué à parler avec tout le monde pour nous capables de joindre un accord politique, pour nous joindre le président, pour nous joindre le premier ministre, pour nous joindre le ministre, pour nous joindre le conseil électoral, pour nous créer un climat de sécurité dans le pays d'Haïti. Et nous dire déjà, tout autant par un accord politique, le secteur démocratique n'a pas reconnaître aucun gouvernement. Par contre, c'est que démocratique là, nous pas fermé porte sur personne. N'a pas parlé avec tout le monde, mais n'a continué à porter revendication du peuple. Et qui s'est délégué qui réunit ici à dans Delma 75 numéro 42 dans le local secteur démocratique et populaire hein, siège central nous qui s'est délégué dans studio qui a réuni Grand-Gouave avec sénateur Kassi, nous d'accord sur ça. Nous ne pas quitter revendication peuple à tomber, nous ne pas quitter revendication population à tomber, mais n'a parlé avec tout le monde, n'a parlé avec tout le monde, n'a cherché concertation, n'a cherché consensus. Parce que nous ne pas quitter le peuple à Golan. Il y a un jour qui a comprendre, c'est que la démocratie laboral lâche Bayo, pour y aller dans le pouvoir. À régler cause par yo secteur démocratique là mon frère mon ami avant face où vous comprendre pour prendre pouvoir jodi a pour passer en papier pour revendication peuple et jodi a pour dernier bagarre n'a dit il y a des monde qui gagne mémoire courte des monde qui sorti pour faire Jovenel Moïse passer comme si c'était un bon président. Non, soyons sérieux avec le pays. Jovenel Moïse c'est un président délinquant. Jovenel Moïse c'est un président criminel. C'est Jovenel Moïse qui crase toute institution dans le pays. C'est Jovenel Moïse qui crase la police. C'est Jovenel Moïse qui crase la justice. C'est Jovenel Moïse qui crase la police. Jovenel Moïse fait alliance avec gang, avec assassins pour tuer les gens dans le quartier populaire. Pour violer les gens dans le quartier populaire. Pour voler les gens. Pour assassiner les gens dans le pays. Jovenel Moïse, pas Jean mon héros. Jovenel Moïse, c'était un chef d'État délinquant. C'était un criminel. C'est Jovenel Moïse qui crase le pays. Pas aucune institution qui campait. Il n'a pas dit encore. L'été mourir, nous te voyons condoléances pour famille. Nous te dit nous condamner assassinat. Parce que c'est un monde qui mourit. D'accord? C'est un monde qui mourit. Nous te condamner assassinat. Mais attention, nous ne pas quitter personne. Vine camper là pour faire le peuple comprendre. C'est ton président qui a un rêve pour le pays. C'est menti! Qui ça Jovenel Moïse te fait? Jovenel Moïse prend tes pays en plateau central. Il prend tes pays en la Tibonite. Il prend tes pays dans le nord. Il va André à bête qui sont oligarques. Pour te ravir de gagner pour le pays. Jovenel Moïse prend toute richesse pays en bail de trois nègres. Il va au corps pays. Bien de trois nègres, il va très bien. Grâce à eux. Mais tout reste en bas de tête, en bas de ventre. Non! Jovenel Moïse n'avait aucun rêve pour ce pays. C'était un défenseur de l'oligarchie. Son défenseur système non. C'est un reste avec système non déyé. Il crasait tout pays, il crasait quartier populaire, il crasait toute institution, il baille bourgeois tout comme pays. Ou pas dire, ou t'es un rêve pour le pays, ou c'est des salines, ou prendre des paysans, plateau central, la Tibonite dans le nord, ou va à peine. Je ne suis pas d'accord avec une femme passe, femme comprendre aujourd'hui, c'est ton président qui a un rêve. Non! Jovenel Moïse, c'était un criminel, c'était un délinquant. Il a passé dans l'histoire
pour un président qui est chat, un président volé, un président corrompu, un président criminel. Voilà la vérité.